entendu que vous parliez d'un film. Alors j'ai entendu que c'était sur Sister et j'ai entendu que c'était sur les scouts. Moi aussi, j'adore les scouts. Ah, ouais. Et c'est quoi votre meilleur souvenir de scout, monsieur Hollande? Un Piaget B3 Business 500. Je vais être avec vous, c'était un super scout. C'est avec lui que je me suis fait choper au bain de chez Julie pendant que j'étais encore avec mon ex-femme. Ouais, vous vous souvenez de ces photos, cette belle tête que j'avais, les joues coincées dans un casque trop petit. On a mis 25 minutes à l'Elysée à retirer mon casque. J'ai gardé la forme sur les joues. Ma femme m'a gueulé, je lui ai dit c'est pas moi, il y avait marqué Piaget sur ma joue gauche. C'était très difficile de lui faire croire. Je me souviens, j'allais voir Julie, j'ai apporté des croissants. Et... Autant, vous n'y étiez jamais prévenu que les croissants allaient m'apporter des problèmes. Ah bah oui. Il avait raison. Merci, je dis chocolatine pour l'abonnement. Arrêtez d'ailleurs de dire chocolatine pour les pains au chocolat. Quand vous prenez un pain dans la gueule, vous ne dites pas j'ai pris une gueulatine. Oui, vous êtes saoulé d'ailleurs, je vous embrasse. Merci beaucoup, monsieur Hollande. Et nous avons monsieur Jean-Baptiste Guégan maintenant. Salut. C'est Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal à Johnny. Oui. Sosie vocal parce que je lui ressemble pas du tout, mais physiquement. D'accord, physique. Je lui ressemble en vocalité. D'accord. Et parce que c'est vrai que physiquement, bon, on n'a pas trouvé la ressemblance. On a essayé, mais ça marche pas. Non, c'est loin, Je suis aussi personnalité préférée des Bretons, juste derrière la rue de la Soif de Rennes. C'est vrai. Et j'ai entendu que vous parliez de scoutisme. Ouais. Figurez-vous que je suis également un scout. Mais toujours à votre âge, mais comment c'est possible? Parce que Johnny a eu le charisme pour rouler en Harley, alors que j'ai le charisme d'un scout. Un scooter. Ah d'accord, oui. Et je suis toujours un cran... C'est la fin de semaine pour les auteurs aussi. Je suis toujours un cran en dessous de lui, vous voyez. Johnny, c'est les Galeries Lafayette, je suis Action. D'accord, ouais, d'accord. On voit bien, oui. Lui, il est chez Optique 2000, je suis chez Atoll. D'accord. Et c'est une saucisse de Morteau, je suis Knacky. Oui. Oh, la Knacky, il est pour ta veine. D'accord. C'est moi. Allez, je vous laisse, je vais péter la gueule à mon voisin. Et il a rien fait, mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup, JB. On a Fabrice Luchini avec nous. Socrate a dit... Voilà. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse. Socrate l'a dit. Oui, d'accord. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse. Dis pas d'accord, tu ne sais pas qui est Socrate. Ce type est d'une bêtise. Absolument tu dis, pas. Tu dis oui, d'accord, tu ne sais pas qui est Socrate. Je suis d'accord avec toi. C'est un rappeur américain. Ah oui. Socrate. Rien n'était trop difficile pour la jeunesse à l'époque des scouts. On leur donnait des cailloux, ils jouaient avec, ils faisaient du frisbee avec des bouches d'égout, ils se plaignaient pas. Aujourd'hui, les jeunes se plaignent parce qu'ils n'ont pas la PS5, la Xbox ou la gonzesse de leurs potes. Ouais, en effet, ça a changé, on est tous d'accord. Pense qu'à leur gueule, les jeunes, qu'à leur petit plaisir perso. Booba a dit, je lui ai attaché les mains, c'est ses fesses qui applaudissent. Le gars l'a dit, je lui ai attaché les mains, c'est ses fesses qui applaudissent. Ce type, c'est un génie. Il a pris le cul de sa copine pour un Bercy plein bondé. Il a demandé une standing ovation à son sillon interfessier, c'était énorme. Il a dit, je veux voir tous les poils du huc en l'air, c'est un génie. Merci pour l'analyse, monsieur Fabrice. Ah, on va arrêter là, on va finir avec Patrick Sébastien. Puis que je fais plus de télé, je suis super heureux d'être avec vous. Ça va les culs? Ça va, toi? Ouais, ça va, Mico, lève les mains. Oh putain! Hey, range ta top, t'as le variant breton sous le bout! Je suis en super forme, je vous jure, je suis comme une couille dans un slip dim. Et hier soir, j'étais en soirée avec la Janine, dans un petit club qui s'appelle Tub en Feu, qui est tenu par Sopranus. Hey, ce soir, j'ai là, Tub en Feu! Tub en Feu! Je veux dire que j'en ai allumé des culs. Oh, appelle-les, pompiers! Bon, vous parlez de scout? Ouais, j'ai adoré ça quand j'étais petit, j'en ai même fait une chanson. Ouais. On peut l'écouter, Patrick? Ouais, carrément, mon Jean. Attends, j'accorde la guitare, tire sur les poils de Tub. Parfait, merci. Allez, musique. Moi petit, j'étais un scout. J'allumais le feu en frottant mes yeux coups. En deux secondes, j'avais mon plat. Pas comme ces cons à Koh-Lanta. Et mes tubes, c'était des allumettes. C'est Koh-Lanta, 15h-20h sur Énergie.